suis Simon, je fais du commerce, j'ai beaucoup voyagé, vu plein de monde et plus rien ne m'étonne. Je cherche quelque chose, mais je ne sais pas trop quoi. Un trésor peut-être? J'ai entendu parler d'un homme étrange. Je veux aller voir ce qu'il fait. Ouais, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est complètement pas net. T'as pété un plomb. Mais vous n'avez pas lu le mail de Sophie? C'est le personnage que l'on doit jouer. Ah d'accord, mais c'est pas une pièce de théâtre. C'est plus un jeu de rôle. On essaye de se mettre à la place de Simon et de ressentir ce qu'il a vécu. Regarde, tu dois te glisser dans la peau de Simon et regarder sa vie à travers ses yeux. Oui, il a peut-être eu peur du gibier en fait avec sa peau de bête, mais il y va quand même parce qu'il a envie de... Il est attiré par lui. Oui, il en a marre et il veut juste le rencontrer. D'accord, et il cherche quelque chose, sinon il ne serait pas venu. Bien sûr. Oui. Alors je recommence. Et vous? Vous pouvez le faire aussi. On peut tous le faire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète : Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et il était baptisé par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. La question qu'on se pose en ce deuxième dimanche de l'Avent est celle de savoir comment préparons-nous à fêter Noël. Bonne question, très bonne question. Je laisse le temps, 2 secondes, pour que vous me répondiez. Me répondiez là où vous êtes. Comment préparons-nous Noël? Car les réponses sont là. Elles sont là, les réponses. Nous voyons déjà nos supermarchés remplis des tas de produits pour Noël. Nous voyons des grands acteurs bien décorés et illuminés. Des sapins commencent à être vendus et installés. Les tenues de fête sont en train d'être achetés. Et certains même ont pris rendez-vous avec des coiffeurs pour dire que ça sera chaud. Les enfants sont prêts à constater les passages du Père Noël. Pas mal. Pas mal comme préparation. Cela fait partie de Noël. C'est ainsi qu'on fête Noël. Mais ce n'est pas forcément Noël. En dehors de cette préparation matérielle, la lecture de ce dimanche nous pose la question suivante. Comment préparons-nous la venue du Seigneur? Comment préparons-nous Noël dans notre être et surtout dans notre cœur?
tous réunis dans notre vie, qu'à Dieu nous lie toujours par une chaîne d'amour. Sur ton chemin, main dans la main, qu'à Dieu nous lie toujours par une chaîne d'amour. Et chacun le maillot dans l'épreuve viendra beau, lié à toujours par une chaîne d'amour. Mais chacun le maillot dans l'épreuve tiendra beau, lié à toujours par une chaîne d'amour. De Jésus. Il vient naître et renaître dans notre monde. Il vient naître et renaître dans notre être. Il vient naître et renaître dans notre cœur. Et l'Évangile nous montre les tableaux de notre cœur, là où viendra naître et renaître Jésus. Il nous invite ainsi à tracer droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Les terres arides sont les terres où la vie est difficile et où l'amour a du mal à passer. Voilà pourquoi il faut aplanir. Il faut préparer pour que l'amour passe. Cet amour que Jésus nous apporte soit aussi transmis à d'autres. C'est ça, Noël. Que tout ravin soit comblé. Les ravins, vous savez, non, sont des lieux de chute. C'est connaître, préparer notre cœur. Et enfin, que toute montagne, que toute colline soit abaissée. Les montagnes, les collines sont des lieux plus ou moins hauts qui empêchent les passages de l'amour. Il nous faut abaisser ces montagnes et libérer les passages de l'amour. Noël, c'est l'amour de Dieu qui vient habiter parmi nous. Est-ce que j'aime mon prochain? Si je l'aime, j'ai fait bien. Je te souviens.
terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouvert. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère,